petit bilan couture avec mes derniers projets cousus humains. C'est sur cette chaîne que ça se passe. Je suis Pauline BZK, je fais de la couture rétro-moderne. Pour celles et ceux qui viennent de me rejoindre, je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner si mon univers vous plaît. Je vous avais demandé sur Instagram si vous préféreriez plus de bilan couture mais du coup moins de cousettes à présenter ou plus de cousettes à présenter mais du coup des bilans couture plus espacés. Vous avez été nombreuses à répondre, je vous remercie énormément, du coup ça m'a aidé et du coup maintenant j'ai décidé de, au lieu de faire un bilan couture tous les 3 mois à peu près et vous présenter plein de trucs, je vais en faire un petit peu plus souvent, donc je sais pas exactement à quelle cadence, mais quitte à ce qu'il y ait un petit peu moins de choses à présenter dans les vidéos, quitte à peut-être aller un petit peu plus en détail sur certaines pièces, je ne sais pas. Mais en tout cas, là aujourd'hui, j'ai plusieurs choses à vous présenter. J'ai quand même 5 pièces à vous présenter, donc c'est quand même plutôt pas mal, mais parce que là, ça faisait du coup un petit moment que je vous avais pas fait de bilan. Et une 6e pièce, ce sera le bilan tricot, donc restez jusqu'à la fin si ça vous intéresse aussi, ce petit bilan tricot. Si vous entendez des petits bruits de petites filles en fond, c'est que ma fille refuse de faire la cesse. Du coup, ben, j'ai pas trop le choix de la garder pas loin de moi. J'espère qu'elle va pas trop me couper, mais écoutez, c'est comme ça, hein, vie de maman, vous connaissez. Alors, la première pièce que je voulais vous présenter, donc c'est une pièce que vous avez adorée sur les réseaux, sur Instagram. Il s'agit du pantalon Romero de Pauline Alice Pattern. Donc voici le dessin technique. Hop, si vous voyez. Donc il s'agit d'un pantalon à pont. Je voulais absolument me coudre, comme vous le savez, un pantalon à pont qui se ferme vraiment par des boutons. Et j'ai trouvé ce patron donc chez la marque Pauline Alice. C'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Il y a certains patrons un petit peu trop modernes pour moi, mais il y a d'autres patrons que je trouve extrêmement bien fait. J'ai notamment cousu la robe Lyria et il y a d'autres petits patrons qui me font de l'œil. Alors ce pantalon, donc il s'agit donc de celui-ci. D'ailleurs j'ai influencé et je suis super fière Audrey de Filet de la Bobine et également Laurie des Cougettes de Loup. Donc les filles, un gros bisou à vous si vous passez par là. Laurie, j'ai hâte de voir ta version du pantalon et Audrey en a fait une vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle a aussi cousu ce pantalon. Est-ce que je vais réussir à tourner jusqu'au bout? Donc ce pantalon, le voici, je l'ai cousu dans un twill de Tencel couleur cognac de chez Stragier. Il a un effet peau de pêche que j'adore, il est souple. Mais il a quand même de la tenue pour faire un pantalon. J'ai également acheté une doublure pour les poches. Donc c'est une viscose de mon magasin de tissus Diffuse Laine dans la région de Bordeaux. Et je trouvais que les deux se mariaient vraiment très très bien. Donc c'est un pantalon qui se ferme par des boutons. J'avais fait un vlog où notamment je cousais un petit peu ce pantalon avec vous. Donc n'hésitez pas à aller visualiser la vidéo pour voir un petit peu les coulisses de la couture de ce pantalon. Donc j'adore ce système, ça me rappelle vraiment du coup les vrais pantalons à pont des années 30 ou des années 40. Et donc avec ce système de fermeture comme ça, j'adore vraiment le rendu. Je trouve que cette ouverture, elle est très travaillée et notamment les explications. Il y a des explications vidéo où ils expliquent la méthode pour bah, coudre toute cette fermeture. Donc ça, c'est top, c'est extrêmement bien fait. Juste à un petit moment, attention si vous avez des poches d'un motif différent. Attention à bien positionner de façon à ce qu'on voit l'endroit en fait du tissu, c'est plus joli. Moi, j'avais commencé à coudre j'avais fait tout le processus et en fin de compte, au final, on voyait l'envers de mon tissu. Ce qui fait que quand j'ouvrais, finalement, c'était l'envers qu'on voyait des poches et ça me plaisait pas. Donc j'ai dû tout recommencer et à positionner de façon à ce qu'on voit bien l'endroit de la doublure quand on ouvre.
le pantalon, ce qui est vraiment plus joli. Les boutons viennent également de chez Diffuse Laine. Ils ont un choix de boutons énorme et je trouvais que cela se mariait très très bien. Hein, on voit le petit pourtour un peu de la même couleur que le tissu. Alors la prochaine cousette, j'ai fait une vidéo consacrée à elle en partenariat non rémunéré avec ma petite mercerie. Il s'agit de la robe Vogue Vintage, le patron Vogue Vintage V92-94. Regardez-moi cette beauté. Donc même si j'ai fait une vidéo dessus, je ne peux pas faire l'impasse dessus dans mon bilan couture, ce serait un sacrilège. Donc, il s'agit d'une reproduction d'un patron daté de 1939. Et donc du coup, je l'ai cousu voilà, avec cette magnifique viscose issue de la collection de Madame Iris du site Ma Petite Mercerie, qui m'avait contacté afin de choisir un tissu pour coudre une robe. Donc voilà, je les remercie encore dans cette vidéo. Elle est magnifique, magnifique. Elle est fluide, d'une fluidité. J'adore les petits motifs comme ça fleuri. J'adore la couleur orangée comme ça. Elle est douce, elle est pas transparente. Et donc ça, c'est super. Comme ça, on n'a pas besoin de la doubler. J'adore le rendu qu'elle donne à la robe. Elle aurait pu tout à fait sortir du placard d'une grand-mère. Ça aurait pu être une de ses robes de jeunesse. Concernant le patron, voilà, il est alors il est magnifique. Hein, les patrons Vogue Vintage sont magnifiques. Par contre, ils sont vraiment pas faciles à coudre. Je le déconseille à des débutantes. Les explications sont assez complexes. Les finitions, tout ça, il y a de jolies finitions, mais je trouve que ça complexifie alors qu'il y a des manières qui auraient pu être plus simples. Mais encore une fois, c'est un patron, une reproduction de patron d'époque. Donc voilà, c'était des explications probablement qui étaient données à l'époque. C'était la manière de coudre, par exemple, ce style de robe. Ceux qui ont vu ma vidéo ont pu témoigner de la difficulté que j'ai eue parce que je n'ai pas fait de toile, encore une fois, et parce que je me suis lancée dedans alors que c'était un patron assez complexe. En fait, il faut savoir que Vogue, et on me l'avait déjà dit, taille assez grand. Donc, moi j'avais cousu ma taille selon le tableau des tailles. En fait, c'est vrai que ça s'est avéré être beaucoup trop grand, donc j'ai dû tout reprendre. C'était assez compliqué, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. Mais j'ai réussi quand même à la terminer. Alors, que dire encore? J'aime beaucoup les poches, donc avec ce petit galon de dentelle qu'on incruste normalement. Il y a les galons vont carrément derrière et tout le devant comme ça. Je voulais pas faire too much, donc je les ai uniquement mis aux poches. Là, c'est deux petites poches comme ça. J'aime beaucoup aussi l'ouverture sur le côté typique de l'époque, la fermeture éclair. Voilà, bon, bref, j'adore les patrons hein, Vogue Vintage. J'en ai un autre qu'il faut que je couse. Par contre, c'est vrai que la complexité du processus pourrait dégoûter les débutantes hein, parce que c'est vraiment pas facile. Qui c'est le boulet qui a effacé la moitié de sa vidéo et du reste des projets couture à présenter? C'est moi! C'est pas grave, on va refilmer. D'ailleurs, je vais mettre debout, tiens, pour filmer, ça change. Donc, la prochaine cousette que je vais vous présenter, c'est la jupe en teuil de la marque How to Do Fashion. Vous savez, cette marque que j'adore, encore une fois. Et donc, c'est une jupe qui a été créée en collaboration avec l'instagrammeuse, youtubeuse Grisette. C'est vraiment une fille que j'adore, que je suis depuis hyper longtemps, avant de me mettre à la couture, je suivais déjà sur les réseaux sociaux. J'adore son univers magique, magico-vintage, on va dire. Et un petit peu avec ses vêtements, son style un petit peu voilà, vintage, dark academia, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir sur ses réseaux, sur Instagram. Si vous voulez, je vous mettrai son petit nom juste en dessous. Depuis quelques temps, elle se met beaucoup, beaucoup plus à la couture. Donc cette fameuse jupe en teuil, voilà, il s'agit de cette jupe-là, d'une... Alors, il y a trois modèles, une jupe plus courte, une jupe midi et une jupe un petit peu plus longue. Et en fait, c'est une jupe avec plusieurs panneaux à découper pour un tombé vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Un tombé plus fluide, moi je trouve en tout cas. Donc, c'est plusieurs panneaux avec différents, en forme de triangle surtout qu'on découpe dans le tissu.
Vous aviez pu voir un réel que j'ai fait sur Instagram justement où je découpe cette jupe, donc n'hésitez pas à aller le regarder. Et vous verrez qu'en effet, il y a plusieurs triangles à découper et à assembler pour créer cette jupe, pour qu'elle ait une espèce de fluidité, voilà, un mouvement un petit peu différent des jupes droites ou peut-être même encore des jupes demi-cercle qu'on a l'habitude de coudre. Ce qui est chouette, c'est que sur le site internet, vous avez des instructions en anglais, en danois aussi forcément, puisque c'est une marque danoise, et en français, puisque Maïna, c'est Grisette. Hein. Elle a traduit les instructions en français, donc ça, c'est plutôt chouette. Alors, me concernant, donc j'ai choisi la version numéro 2, un petit peu en dessous du genou, mais en incluant les poches. Et donc, la jupe en question, la voici. Vous avez pu la voir donc sur Instagram. Je l'ai cousue dans ma taille, en fait, dans ma taille habituelle. Donc, j'ai pris mon tour de taille et je me suis référée au tableau des tailles. Donc c'était pile poil la bonne taille, il me semble, sauf que du coup c'était un petit peu trop, ça arrivait pas assez taille haute pour moi, donc j'ai dû la reprendre. Voilà, encore une fois, à chaque fois j'ai toujours peur moi d'être trop serrée dans ce que je fais, donc je vous conseille de voilà, soit de peut-être de faire une toile mais si ça vous saoule, de peut-être de pas assembler directement, de bien vérifier, de bâtir par exemple ou d'épingler ou je sais pas, avant de coudre définitivement. Alors, on voit les petites poches. Là, moi, j'aime beaucoup. Les boutons viennent de chez La Droguerie. Hein. La Droguerie, c'est ma caverne d'Ali Baba concernant les boutons et tout ce qui est petits accessoires comme ça. Ils vendent des trucs trop mignons. Il me semble qu'ils sont en vert. Voilà, il faut faire très très attention. J'ai mis un zip invisible à l'arrière, alors invisible entre guillemets, hein, parce qu'en fait il me restait que un zip de cette couleur et j'avais pas envie d'aller courir les magasins. Quand je la porte, ça me choque pas quoi, c'est comme si on voyait une fermeture éclair. Vu que j'ai pas de pied spécial fermeture invisible, ben, je trouve que c'est pas assez invisible à mon goût. Il va vraiment falloir que je m'achète un pied à fermeture éclair invisible puisque... Bah, j'en couds beaucoup des zips invisibles. Eh bien, ce serait bien qu'ils soient complètement invisibles, quoi. Là, par exemple, bon, c'est un peu dommage. Assez de blabla concernant le tissu. Alors, le tissu, bah, eh bien, forcément, c'est un tissu que vous savez probablement que j'ai acheté chez Cousette. C'est un crêpe de viscose marron. Il est d'une douceur, ce tissu. J'ai même pas envie de la laver, la jupe. J'ai trop peur qu'il perde en... Après, ce sont des tissus de très très bonne qualité. Hein. Il est d'une douceur, d'une fluidité. Donc la jupe, elle est très fluide, hein, ça, il n'y a aucun souci. Par contre, voilà, bah, pour coudre, hein, c'est un tissu extrêmement fuyant, extrêmement fluide. Je retenais ma respiration. En tout cas, les tissus de chez Cousette, c'est ma nouvelle révélation. Le crêpe de viscose, j'en ai d'ailleurs racheté pour me faire une blouse parce que tellement que j'aime ce tissu. Voilà pour cette jupe, je vous laisse tout de suite avec la vidéo portée. Alors la prochaine cousette, il s'agit de la chemise Bruna de chez La Maison Victor. Voilà, donc c'est une chemise comme ça, vraiment très simple, niveau assez débutant hein, il me semble. Donc une jolie chemise à col tailleur, des petits boutons, une petite poche devant, des petites manches avec rabat comme ça. Et j'aime beaucoup. Moi en fait au départ j'avais dans l'idée de me faire un ensemble avec la jupe en teuil que vous avez vu précédemment. Et j'ai acheté les deux tissus en même temps d'ailleurs et je savais exactement que j'allais faire un ensemble chemise et jupe pour vraiment un style années 40. Voilà. Donc c'était l'idée que j'avais derrière la tête. Il s'agit donc d'un patron seul que j'ai acheté sur le site Patron de Couture. Je sais qu'ils vendent des patrons seuls en plus de leur magazine couture. Le souci, c'est que les marges de couture ne sont pas incluses. Donc il faut se fader toutes les marges à reproduire sur le tissu.
c'est un peu saoulant, mais voilà, après c'est le seul bémol qu'il y a eu dans la préparation de ce patron. Donc comme je disais, c'est un patron simple, très accessible, vraiment très accessible. Il n'y a vraiment pas de grosse finition, il n'y a pas d'empiècement d'eau dans le dos, donc il n'y a pas de technique du burrito. Il y a juste une petite parmenture devant, voilà, pour hop, qui forme le col et puis le devant, quoi, pour que ça fasse propre. Mais vraiment, c'est un patron que moi j'ai trouvé très très accessible. Je l'ai cousu avec une popeline de coton de chez Cousette. Voilà, je vous avais dit que j'avais commandé les deux tissus en même temps. Et j'ai adoré ces petits motifs de fleurs marron sur un fond un petit peu crème comme ça, beige. Je trouve que ça fait vraiment, pour le coup, chemise de grand-mère. Mais de grand-mère, bien sûr, dans sa jeunesse. Les popelines de coton, j'aime pas du tout quand je vais en magasin. Je trouve que c'est un côté hyper rigide que j'aime pas. Et en fin de compte, alors celle de Cousette, elle est hyper agréable, vraiment, j'en suis ravie. Je n'hésiterai pas à en recommander sur ce site s'il faut. Les petits boutons dorés devant viennent de chez Mondial Tissu. Je trouve que c'est assez mignon, ce genre de petits boutons avec ce tissu. Revenons-en du coup au patron. Vu que je vous ai dit qu'il n'y a pas de finition hyper poussée, le souci c'est que, eh bien, on voyait ce qui me déplaisait. C'était qu'on voyait la couture là, quand on assemblait la partie colle à la partie dos de la chemise, enfin dos et voilà. Donc écoutez, moi j'ai tout simplement posé un petit billet comme ça pour une finition plus propre, parce que sinon on voyait les bords crus, quoi. Alors on peut surjeter, surfiler, mais c'était pas très joli. Mais si vraiment vous débutez, c'est pas très grave, hein. Il y aura juste un petit surfilage à faire, ça se voit pas de toute façon, mais voilà, moi j'aime bien quand c'est un petit peu avec des jolies finitions. Je n'ai pas mis de revers sur les manches, voilà, j'ai juste fait un ourlet tout simple. Et moi, ma foi, écoutez, voilà. Alors, le souci, c'est que cette chemise, je pense que la prochaine fois, je modifierai un petit point. Parce qu'en tout cas, sur moi, elle me va un petit peu trop serrée. J'ai respecté vraiment mes mensurations, mais en fin de compte, j'aurais dû me prendre un petit peu plus d'aisance. Et le problème aussi, c'est que quand je lève les bras, toute la chemise se soulève. Enfin, j'aime pas du tout. Il y a un truc qui cloche, voilà, un petit truc qui cloche. Je suis toujours obligée de la tirer pour bien la maintenir plaquée. Sinon, dès que je bouge les bras, ça fait un truc qui se soulève devant. Là. Enfin, je sais pas du tout si vous voyez ce que je veux dire, mais pas très joli. Donc, soit il faudrait peut-être que je remonte l'emmanchure. Oh, je sais pas, si vous avez des conseils sur ces problèmes-là de chemise qui se soulèvent, écoutez, je suis preneuse, hein, de bons conseils. Sachant que je suis nulle en modélisme, je n'y connais absolument rien. Ce patron est donc livré avec un livret explicatif à l'intérieur qui est extrêmement bien fait. Il est en plusieurs langues, on s'en fout un peu. Le top, c'est que vraiment, ils expliquent du début comment préparer son tissu, comment le découper, comment se prendre ses propres mesures, comment choisir sa taille dans le tableau. C'est super pour ceux qui débutent. Voilà, moi j'en ai pas eu forcément besoin, mais vraiment pour celles et ceux qui débutent, c'est hyper bien. Voilà, donc en gros, cette chemise, je suis contente malgré ces tout petits défauts que je vais modifier pour la prochaine fois, mais c'est un très bon basique à avoir dans sa garde-robe. Avec un col tailleur surtout que moi je recherchais pour cet effet col de chemise années 40, puisque voilà, il y avait beaucoup de chemises avec ce type de col à l'époque. Donc je vous laisse avec la vidéo portée. Alors le dernier projet couture que je voulais vous montrer, c'est cette petite merveille. Donc en fait, c'est une robe que j'ai cousue en partenariat avec la marque Lise Taylor. Donc la marque Lise Taylor, tout le monde la connaît dans le monde de la couture. Ils m'ont gentiment contactée et proposé de m'offrir un tissu de leur future nouvelle collection. Collection qui est déjà sortie à l'heure actuelle, pour pouvoir le tester et le présenter après sur mes réseaux et eux ensuite sur leur blog. Donc j'ai été ravie. Je remercie encore
Lise Taylor et puis Céline qui travaille avec Lise pour la confiance accordée. Donc, j'ai choisi la viscose Bliss, c'est une très jolie viscose noire, fond noir comme ça, avec des petits bouquets blancs de fleurs blanches comme ça, avec un petit peu de rose. Je la trouve magnifique. C'est une viscose certifiée EcoVero. De toute façon, la marque Lise Taylor accorde énormément d'importance à l'éthique de ses tissus, donc ça c'est chouette. Elle est hyper agréable à coudre. Je vous parlerai du patron après, mais en tout cas la viscose, celle-ci, elle est hyper agréable à coudre. Elle est fluide, mais étonnamment pas trop glissante. Elle se maintient bien, elle est pas trop fuyante. Donc franchement, elle est très accessible quand on maîtrise pas encore la couture de la viscose. Et donc quand j'ai choisi ce tissu, j'avais immédiatement en tête la robe numéro 16 Séville de How to Do Fashion, encore cette marque-là de patron. Donc il s'agit de la robe d'une robe comme ça, à manches courtes, assez près du corps et avec un fini évasé. Je vous montre le dessin technique. Elle est mais d'une élégance cette robe et franchement le patron, ça ressemble un petit peu au patron au modèle original. J'avoue, mais du coup j'ai vu immédiatement ce tissu dedans. C'est une robe de style rétro, style années 30. La marque s'est inspirée des femmes espagnoles de l'époque. Donc le buste est ouvert, il y a une petite fermeture par deux boutons devant. Sur la mienne, moi j'ai choisi des boutons qui m'ont été offerts aussi par la marque Lise Taylor. Ils sont très très jolis, très délicats. Et donc ça s'ouvre. Il y a également une fermeture tout le long derrière par un zip qui va vraiment jusque mi-fesse et un petit crochet en haut pour terminer la fermeture. Alors c'est un patron vraiment facile à coudre, je l'ai cousu comparé au Vogue Vintage, là celui-là je l'ai cousu vraiment très rapidement. Il y a donc la partie buste où c'est la petite difficulté parce qu'il y a l'ouverture devant, il y a une parementure qu'il faut bien placer, mais par contre après la jupe, ce sont plein de panneaux à assembler comme ça pour donner cette forme de évasé. La taille est nickel, j'ai juste modifié les pinces légèrement au niveau de la poitrine, vu que j'ai une toute petite poitrine. Et par contre, je l'ai cousu dans la taille préconisée selon le tableau des mensurations et ça tombe nickel. Et d'ailleurs, ce joli décolleté là, fermé devant, franchement, ça fait une très belle illusion parce que malgré ma petite poitrine, ça met bien en valeur, je trouve. J'aime beaucoup aussi la jupe, hein, la partie jupe. Et en fin de compte, ça s'harmonise parfaitement avec tout type de morphologie. Voilà pour cette robe. Je remercie encore l'équipe de Lise Taylor pour m'avoir permis de coudre ce tissu. Et tout de suite, nous allons passer au bilan tricot. Comme certaines d'entre vous le savent, il y a quelques mois, j'ai commencé le tricot. Mais comment vous dire que je n'ai pas beaucoup avancé. Je m'explique. Petit rappel rapide, il y a quelques mois, donc c'était en décembre, je crois, il me semble qu'au mois de décembre, je me suis lancée dans le tricot du pull 13KO de Elong avec Anna. C'est un petit pull comme ça, très joli, très mignon. Et donc je me suis lancée super motivée, tout ce que vous voulez. Sachez que je privilégie la couture, donc le tricot, c'est vraiment quelque chose que je fais qui peut durer dans le temps. Hein. Je me mets pas du tout la pression là-dessus, surtout que c'est très lent. Je suis pas encore à moitié de ce projet. Je re-regarde parce que ça fait un petit moment. En fait, il faut savoir que depuis le mois de février, je crois, ça fait un peu plus d'un mois que j'y ai pas du tout touché. J'ai absolument pas eu le temps. Là, février, mi-février, mars, là, j'ai eu tellement de choses à faire. Du coup, j'ai vraiment laissé le tricot de côté. Mais j'ai vraiment hâte de le reprendre parce que ça me manque un petit peu. Et puis, j'ai vraiment envie de terminer ce pull un jour.
Donc, alors pour celles qui s'y connaissent en tricot, hein, ça va peut-être plus vous parler, les autres, je suis désolée. J'ai commencé à faire les augmentations raglan. Voilà, ce sont les... Au niveau des épaules, ce sont les petits motifs comme ça, en fait. Petit à petit que je crée. Donc là, c'est le col. Et en fait, on fait des jetés et des augmentations. Je suis absolument pas douée pour expliquer le tricot, mais bref, ceux qui l'ont déjà tricoté le savent sûrement, et celles qui se connaissent aussi. Grosso modo, ça fait ces jolis petits motifs là. J'aime beaucoup. Je suis trop contente parce que du coup, ça forme vraiment quelque chose. À un moment, je vous montre quand même, je me suis emmêlée les pinceaux, j'ai dû louper un jeté, je sais pas trop ce que j'ai fait, mais du coup... J'ai pas voulu détricoter parce que découdre ça va pour moi, mais alors détricoter, j'en suis incapable, je me mélange, je suis incapable de rattraper mes erreurs. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave. Vous voyez à ce niveau-là, il manque un petit trou là. C'est pas très grave. Hein. Donc en gros, c'est la partie, si je comprends bien, à faire. Donc c'est vraiment le haut du pull quoi, voilà. Avant, juste avant la séparation. Des manches et du corps. J'espère que c'est clair. Donc j'en suis à ce moment-là. J'ai pratiquement fini donc cette partie-là, là, des augmentations raglan. Et il me restera après à commencer donc du coup cette fameuse séparation manche-corps à faire. Donc voilà, je continue tranquillement. Voilà. Du coup, dites-moi si ça vous intéresse, vous, à chaque bilan couture, que je vous fasse un petit bilan tricot. Alors j'aurai pas grand chose à vous présenter, ce sera en tout cas pour l'instant toujours le même projet, mais au moins je vous présente au fur et à mesure un petit peu mon avancée concernant cette nouvelle activité. Voilà, bah écoutez, ce bilan couture mini bilan tricot est terminé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît, et à me rejoindre aussi sur Instagram @PaulineBZK, donc ça s'affiche juste en dessous. J'ai aussi ouvert un compte TikTok il y a peu, Pauline.BZK, si jamais ça vous intéresse, je poste un petit peu du contenu dessus. Et écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.